0, on a mis 6 buts. C'est intéressant, on a su répondre présente après, après la défaite contre l'Allemagne, donc c'est le plus important. Voilà, après, on peut toujours mieux faire. Donc on va continuer dans ce sens et on va continuer à bien bosser. Alors, par rapport au match contre l'Allemagne, c'est un petit peu différent. Là, vous avez eu des joueuses rugbyennes très rugueuses. C'est aussi difficile à jouer. Ouais, après, c'est vrai qu'on a eu du mal un peu plus en deuxième mi-temps. Mais voilà, malgré tout, on a marqué quand même 6 buts. Donc la deuxième mi-temps, on a pas mal tenté. Après, il faut continuer dans ce sens. On a pas mal de choses positives, mais on peut pas se contenter de ça tout ça. Il faut toujours bosser et on verra par la suite. Qu'est-ce qu'il faut améliorer, justement, selon vous? Ce qu'il faut améliorer dans la vitesse d'exécution, mettre plus de rythme, plus d'intensité, parce qu'on sait que quand des équipes comme ça, elles sont recrutées très basses. Donc voilà, ça passera par des enchaînements sur le côté, trouver axe décalé. Donc voilà, c'est à nous de mettre le tempo, à nous de mettre le rythme et pas justement à se mettre à la hauteur de l'équipe adverse, parce qu'elle sait qu'elle nous attend et que justement elle casse le jeu pour gagner du temps. Est-ce que ce type de soirée rajoute un peu de pression avant le mondial? Il y avait 11 000 personnes ce soir, certes face à une équipe faible, vous gagnez 6-0. Est-ce que voilà, ça vous projette déjà dans 95 jours? Oui, après, comme je l'ai dit, c'était très important pour nous ce soir de gagner, surtout après la défaite contre l'Allemagne. Donc voilà, on a marqué 6 buts ce soir, ça nous fait du bien pour la confiance. Le groupe vit bien, maintenant on va continuer à bosser parce que, comme j'ai dit, on ne peut pas se satisfaire de ça ce soir. Donc on va continuer dans ce sens-là. En tout cas, on a gagné ce soir et c'était le plus important. Il y a des joueuses aussi qui devaient essayer de gagner leur place, c'était important pour le groupe. Ouais, après, on est là, on est 23. Je pense que si on est là, c'est qu'on a les qualités et la coach nous fait confiance. Donc à partir de ce moment-là, il faut se libérer, il faut essayer de se libérer et jouer. Et voilà, le groupe vit très bien. Donc à partir de ce moment-là, il faut se faire plaisir. Le foot est avant tout un jeu. Donc si on se fait plaisir, et on continuera comme ça. À l'issue de ces deux matchs, les automatismes sont meilleurs dans l'équipe? Ouais, après il faut toujours travailler l'automatisme. Quand on joue avec qu'une joueuse qu'on a l'habitude de jouer, voilà, faut toujours continuer à travailler dans ce sens. En tout cas, pour l'instant, c'est de bonne augure pour la suite.